الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب صريح البيان للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله الهرري الشيبي العبدري رحمه الله، صحيفة 23، بيان أهمية علم التوحيد. Alors on est dans le livre, dans le chapitre, la clarification de l'importance de la science de l'aqida dans le livre Sarih al-Bayan à la page 23. إِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ أَجَلُّ الْعُلُومِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْجَبُهَا وَأَوْلَاهَا. Alors sache que le fait de connaître Dieu et ses attributs, c'est la science le plus élevé, là où il y a plus de mérite, et c'est la science le plus obligatoire sur les gens. قال تعالى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاثْبُتْ عَلَى الْعِلْمِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدَّمَ الْعِلْمِ بِالتَّوْحِيدِ عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ الَّذِي هُوَ عَمَلٌ من أعمال البدن استغفار باللسان. Alors il a tout d'abord dans l'aya que j'ai cité, qui prouve que la science de l'aqida est la science la plus importante, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim dans sourate Muhammad aya 19: sache qu'il n'est de Dieu que Allah, et demande par la suite le pardon pour ton péché et pour les croyants. Alors il a avancé la science de l'aqida sur le fait de demander le pardon, qui est un acte parmi les actes de corps, le fait de demander à Dieu le pardon par la langue. قال بعض العلماء أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقانة. La première obligatoire qui est obligatoire sur les gens, c'est le fait de connaître Dieu Azza wa Jal. بل هذا أصل الواجبات. لا يصح صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة كبيرة أو صغيرة إلا مع التوحيد من دونه لا يقبل عمل صالح. De toutes les autres obligations, ce que la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, l'aumône, le dhikr, n'est accepté qu'avec la croyance. Si la personne n'a pas la bonne croyance, rien n'est accepté de lui. Alors c'est pour cela il faut bien assurer cela. L'islam, أولاً قبل أن تقول أنا أطعم الفقراء والمساكين قبل هذا توحيد إيمان بالله ورسوله. Avant de dire moi je donne à manger aux gens, moi j'aide beaucoup les pauvres et les misérables. Mais si tu n'as pas cru en Dieu, rien n'est accepté. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple de ceux qui ont mécru en Dieu, leur acte, l'exemple des actes de ceux qui ont mécru en Dieu, comme le cendre qui est exposé dans un jour où il y a un vent soufflant. Qu'est-ce qu'il reste? Le cendre ne résiste pas. Par quelques secondes, il disparaît. Il vole. Alors, les actes des non-croyants, les actes de bien avec la mécréance, c'est comme le cendre avec le vent soufflant. وَيُسَمَّ عِلْمَ الْأُصُولِ وَعِلْمَ التَّوْحِيدِ وَعِلْمَ الْعَقِيدَ. Alors, on dit au sujet de la science de l'aqida, la science de l'unicité, la science de le fondement, tout ça, ça revient au même sujet, la science de l'aqida, ce qu'on doit connaître vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال انا اعلمكم بالله واخشاكم له رواه البخاري. Alors النبي عليه الصلاه والسلام قال انا اعلمكم بالله واخشاكم له. أنا أعلمكم بالله، يعني في علم العقيدة، في معرفة الله، سيدنا محمد أعلم الناس بربه، وبالتالي هو أخشى الناس لربه. البخاري إلى ستي ساكم أن شابيتر، إلى ميكم أن شابيتر، باب أنا أعلمكم بالله. Le prophète a dit, je suis la personne qui connaît Allah Ta'ala le plus. Et si سيدنا محمد est la personne qui connaît Allah Ta'ala le plus, alors il s'agit de la science de l'aqida. Sayyidina Muhammad, c'est la personne qui connaît Allah Ta'ala le plus, et il est la personne qui craint Dieu le plus. فكان هذا العلم أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما.
Alors cette science était la science la plus importante à acquérir. La science là où il y a plus de mérite, le plus élevé. ليش تعرف ليش؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وهنا المعلوم هو صفات الله تعالى معرفة الله تعالى صفاته فهذه أشرف العلوم فالعلم أشرف العلوم العلم الذي يختص بها هو أشرف العلوم. Alors le mérite de la science c'est selon ce qu'on apprend dans cette science. Alors par la science de l'aqida, on connaît Dieu, on connaît ses attributs comme qui convient à lui. Alors ça c'est la meilleure connaissance. Alors cette science est la meilleure de toutes les autres sortes de sciences. اعلم قال أبو حنيفة رضي الله عنه اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام الفقه في أصل العقيدة أفضل من الفقه في الأحكام أبو حنيفة رضي الله عنه a dit sache que الفقه le savoir au sujet de العقيدة est plus important que le savoir au sujet de la pratique والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها il a dit الفقه c'est le fait de savoir qu'est-ce que tu dois et qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui est obligatoire sur toi et qu'est-ce qui est interdit هذا هو الفقه تعرف ماذا يجب عليك وماذا يحرم عليك ما لها وما عليها ما لها ما لها من الأمور ما يجوز لها وما يحرم عليها وما يجب عليها ويسمى هذا العلم أيضا مع أدلته العقلية والنقلية من الكتاب والسنة علم الكلام نحن ذكرنا يقال له علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الأصول وعلم الكلام هلا بتسميته بعلم الكلام خلاف بعضهم قال لأن أكثر المسائل التي صار فيها مناظرات بين أهل السنة والجماعة والفرق الضالة مسألة الكلام فسمي علم الكلام. Alors pourquoi on a nommé la science de l'aqida de التوحيد la science de la parole la science de le kalam ou la parole. Oui il y a une divergence à ce sujet certains savants disent parce que la plupart des débats qui ont eu lieu entre أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية et les sectes à l'exemple de Al-Karramiya Al-Mujassima, aujourd'hui Al-Wahhabiya, et Al-Mu'tazila, qui ont nié la parole de Dieu, c'était au sujet de la parole. Al-Mujassima, qui suivait un homme égaré qui s'appelle Muhammad fils de Karram, et on attribue le gourou, la secte Al-Karramiya à ces gens-là, ils disent Allah parle avec des lettres et des voix. Ibn Taymiyyah kana ala tariqihim ala minhajihim, wal-Wahhabiyya fi kathirim min masailihim mithlahum. Alors Ibn Taymiyyah était avec Al-Karramiya dans plusieurs sujets, au sujet de Tassim ou Tashbih, attribuer à Dieu les lettres et la voix. Et Al-Wahhabiyya aujourd'hui la même chose. Mais Al-Karramiya avait encore d'autres sortes d'égarements. Et on a nommé à ces gens à l'époque Al-Ahl al-Hashu, Al-Hashwiyya, Al-Mujassima, Al-Mushabbiha. Tu vois, ceux qui attribuent à Dieu le corps, les membres, les organes, on les a nommés. Les anthropomorphistes, on a nommé les assimilateurs, on les a nommés Al-Hashwiyya. Al-Hashwiyya, pourquoi on les a nommés Hashwiyya? Les sommeillons Hashwiyya. L'i'tiqadim anna Allah jism wal jism yuhsha. Alors certains ont dit que Dieu est un corps et le corps, on peut le remplir. Alors on l'a nommé Hashwiyya. Ça vient du Hashu, ça vient du remplir. Et encore, ça a été dit que parce que kalamum Hashu, la fa'ida fihi, kalam ma'il ou dalil, quel kalam l'adhi akoun? على الهامش لا حشو يعني يكون ما فيه فائدة وباطل. Alors on les a nommés parce que leur parole n'a pas de valeur, n'a pas de référence, n'a pas d'argument. Alors on a dit حشو حشوية, c'est-à-dire c'est des paroles qui n'ont pas de valeur. والسبب في تسميته كما قلنا أنه ليش سمي علم التوحيد علم الكلام كثرة لأن كثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل السنة لتقرير أهل الحق يعني سواء parce qu'il y en a des gens on a dit on l'a nommé علم الكلام parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé trop à ce sujet et il y avait beaucoup des paroles qui ont été dites pour, c'est-à-dire que soit parmi les savants de l'islam qui ont confirmé la voie et la croyance qu'ils avaient les gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et puisqu'il y avait beaucoup des sectes et ils ont eu besoin de parler trop pour répondre contre ces gens-là, savoir parler contre les sectes. علم الكلام savoir parler contre ces sectes qui étaient nombreux qui ont contredit dans plusieurs questions que soit الخوارج que soit المعتزلة que soit الكرامية que soit الجهمية أو الروافض
وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة الكلام comme je viens de dire que ça a été dit on l'a nommé علم الكلام parce que les débats au sujet de العقيدة c'était plus sur le sujet de la parole de Dieu. أهل السنة يثبتون مع التنزيه. Les gens de أهل السنة والجماعة ils confirment que Allah Ta'ala a l'attribut de la parole, mais la parole de Dieu n'est pas comme notre parole, n'est pas composée par des lettres et des voix, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et il y avait deux extrêmes. Les Mu'tazira qui ont nié complètement la parole de Dieu, et l'imam Ahmed il a dit qu'ils sont des mécréants, et autres que l'imam Ahmed, même l'imam Shafi'i. Et il y avait l'autre groupe, Al-Mushabbiha ou Al-Mujassima, qu'ils ont dit Allah parle avec des lettres et des voix. Et ils ont mal compris certaines paroles de l'imam Ahmad, à tel point que le Wahhabi aujourd'hui, il parle de le livre, là, le papier, là où il y a l'encre noire et des fois rouge et des fois bleu. Il dit ça, c'est pas créé. Alors ça, c'est proche de la folie. Hein. Ça, c'est proche de la folie parce que l'encre, ça vient de la terre, les papiers, ça vient de la terre. Ou quelqu'un, il récite le Coran, il dit « Ma prononciation n'est pas créée. » Mais c'est pour deux. Toi, tu es entièrement, tout entier créé et ta parole éternelle n'est pas créée. Mais ça, c'est grave. Il y a une place où on parle de la science de la parole. Et lorsque vous entendez qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Abdullah au sujet de la parole, même au sujet de l'aqida, lisez le livre de الانصاف فيما يجب علمه ولا يجوز الجهل به de l'imam al-Baqillani 1000 ans en arrière pour voir que le Cheikh Abdullah رضي الله عنه a bien parlé comme les savants de l'islam, les grands imams comme l'imam al-Baqillani de 10 siècles en arrière. كتاب الانصاف فيما يجب العلم به ولا يجوز الجهل به. Et surtout au sujet de la parole, si le Cheikh Abdullah dans le livre Al-Mukhtasar il a parlé 5-6 lignes, et dans le Sirat il a parlé un peu plus, et dans Sirih al-Bayan il a parlé un peu plus, alors l'autre imam il a parlé 30 ou 40 pages au sujet de l'attribut de la parole. يعني l'imam al-Baqillani a أطال الكلام في هذا الموضوع لأن في وقته لعله كان يوجد مصلحة لأن المشبهة أو الحشوية كانوا يقولون كلام خطير في هذا الباب وسبق ماذا قال المعتزلة إنكارهم لصفة الكلام فالحشوية قالت كلامه صوت وحرف alors les anthropomorphistes actuellement الوهابيين الآن اللي هن بيسموا حالهم أهل السنة والجماعة أو بيسموا حالهم سلفية هم وهابيين أتباع من عبد الوهاب اللي بيحكموا على زعم في السعودية وبقطر عم بحكي أنا بيحكموا من حيث السلطة الدينية الحكام كل واحد عنده مشاكله وأموره ولكن لو كانوا داعمين لألون على كل حال أي دول الوهابيين يقولون كلام الله حرف صوت الوهابيين كسواء دون عربي السعودية وقطر كي ont le pouvoir dans les mosquées et dans les écoles et les universités ces égarés disent qu'Allah parle avec des lettres et des voix. حتى بالغ بعضهم فقال إن الصوت أزلي قديم وإن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة. Certains ont dit les voix qu'on dit ça c'est éternel c'est pas créé. Les lettres qui sont écrites dans le Coran avec l'encre ils ont dit ça c'est pas créé. فخرجوا عن دائرة العقل. Alors ça c'est quelque chose vraiment qui contredit la raison saine et c'est grave. وقالت طائفة أخرى إن الله تعالى متكلم بمعنى أنه خالق الكلام هذا قول المعتزلة. معتزلة on dit الله a la parole ça veut dire il crée la parole comme lorsqu'il a créé la parole dans l'arbre et Moussa a entendu la parole. قالوا كما أن الله خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى كلام الله. يقولون لا يوصف ربنا بصفة الكلام يعني يقولون إذن بزعمهم أن الله أبكم ils disent الله n'a pas l'attribut de la parole c'est comme ils prétendent que الله est muet et comme j'ai dit Shafi'i, Ahmad et d'autres ont dit c'est de la mécréance. وقال أهل السنة إن الله متكلم بكلام ذاتي أزلي أبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا يختلف باختلاف اللغات. أهل السنة والجماعة ils ont dit الله a l'attribut de la parole qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas composé de lettres et des voix. Et on ne dit pas qu'Allah parle avec une langue arabe ou hébreu ou syriaque ou allemand.
Pour clôturer sur ce sujet-là, il y a le livre Hadaiq al-Fusul wa Jawahir al-Usul, l'Aqida al-Salahiyya, que Ibn Makki a offert à Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi, lorsqu'il a pris le livre de Ibn Makki au sujet de l'Aqida, 500 vers de poésie, il a ordonné de l'enseigner à l'époque dans les écoles pour les enfants. Dans 40 000 écoles, 40 000 madrasas. وهذا فيه ما ما هو موجود في هذا الكتاب و يعني أذكر أني كنت مرة في عرفة أو نتاء عرفة فرجل تكلم أو امرأة تكلمت في الخيمة التي بقربنا فقالت الله يكلم الناس يوم القيامة بالألماني وبالإنجليزي Il y avait, je ne me rappelle pas, est-ce que c'est une femme ou un homme qui a pris et qui a fait une leçon, et dans le hadith, Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu, chacun de vous sera questionné par Dieu, Allah lui parle sans intermédiaire. Alors celui-là, ou cette dame ou cet homme, a dit Allah parle avec le gens, en allemand, en anglais, voilà, mais les langues sont créées. Et Allah Ta'ala n'est pas créé, la parole de Dieu n'est pas créée, les langues sont créées. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.